Oui, bonjour. Je cherche une source. Ah oui, très bonne question. Mais ici, vous êtes devant la mairie. Il n'y a pas de source. C'est un établissement qui a été abandonné. C'est un ancien temple qui a été abandonné en 1965. Il a été restauré en 1990 pour en faire la mairie. Merci bien. Salmon-Giscard a été un des rares villages avec autant de protestants que de catholiques et qui s'entendaient très bien. Ils avaient chacun leur lieu de culte et leur cimetière. La mairie est aujourd'hui installée dans l'ancien temple face à l'église. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je cherche un point d'eau. Ah, alors ici vous n'avez pas trouvé de point d'eau. Ici vous êtes à l'école de Salmon-Giscard. Je suis le maître de Salmon-Giscard. Vous avez trouvé des enfants de la petite section OCP. Ça, c'est le bâtiment de l'école. Ça, c'est la cantine. Et avant, il y avait la mairie, ici. Bon, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Je suis en train de chercher de l'eau, mais il n'y en a pas ici. C'est pas ici, non, c'est pas ici que vous allez trouver de l'eau. Ici, on est sur le point culminant de la commune, pratiquement, et avec une vue panoramique, comme vous pouvez voir. La chaîne des Pyrénées, l'Or Orthès, on a une vue à 360 degrés. Par là, c'est Puyot, Ramousse, Salise derrière l'autre colline. Et voilà, ici, on est au 80. Mais il n'y a pas d'eau. Je vous remercie. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Madame. Avec plaisir et puis bonne continuation pour vos recherches. De ce point culminant du village, on peut voir de la Rune jusqu'au pic du Midi de Bigorre. Ce fut d'ailleurs un poste d'observation des Allemands pendant l'occupation. Bonjour Madame Noué. Bonjour monsieur. Vous savez que vous avez beaucoup d'eau ici. Vous avez Je le sais. Ah bon. Il y en a partout. Oui, il y en a partout. Là-bas, c'est la ville d'Orthès. Qui a capté. Oui. Ils ont plusieurs sources par là. Deux. Il y a celle-là qui coule. Il y en a d'autres qui sortent là-bas. Pour alimenter les cressonnières. Pour alimenter le trop-plein alimente la cressonnière. Depuis 1981, la ville d'Orthès capte les sources ici, à Salmon-Giscard, chez Aubin. Voilà, alors là c'est le ruisseau, derrière la maison, là, c'est la rive de Guardère, et qui dessert 9 moulins, 2 à Salmon-Giscard et 7 à Bérens. Alors Salmon-Giscard, il y a le moulin de Sarthe, le Mouly, ici en bas, qui était où il y a eu M. Croaré. C'est la poussoire, ça va revoir, non? Ah non, c'est la poussoire. C'est la poussoire. Non, elle, tu vois la femme là. Ah oui. Il y avait des croissonnières autour de la maison, mais quand on faisait le marché, mais là maintenant, bon, depuis que je ne fais plus le marché, il y en a une toute petite. Il y a toujours des croissons. Mais ce ne sont pas les seules sources. Allez donc voir au quartier de bord près du Gard.
va. Ça va, ça va. Bon, je cherche un souffle. Il semblerait qu'il y ait des souffles. Ici, tu vas trouver. Ici, il y en a un petit peu tout le long. Ici, tu loges le rocher calcaire qui s'en a. Il y a des souffles qui viennent suinter dans les fissures de la roche calcaire tout le long. Mais ça va, cette roche, là, ce rocher va jusqu'à Bâche. Et ici, il y a deux plus grosses sources. Une de 60 mètres cubes heure et une autre de 40 mètres cubes heure qui sortent à 20 degrés. Tout le temps. L'hiver comme l'été, ils sont toujours à 20 degrés. Et après, sous les maisons de la rue de bord, un peu plus haut, il y a plusieurs petites sources. Les températures sont tout à fait les mêmes. Et dans certaines sources, il y a des infiltrations qui se font, donc ça ne peut pas être captable pour l'eau potable. Voilà, de l'eau à Saint-Monchisca et... Il y en aura encore. Merci bien. Je savais bien qu'il y avait de l'eau ici, des sources d'eau. Mais il n'y a pas que de l'eau. Salmon-Giscard est aussi un village agricole avec des entreprises, et notamment de transport, des entreprises artisanales, agricoles, et diverses associations également. Il y a le club des aînés, l'Ouse de Salle, la société de chasse, La Défense, qui regroupe la culture, l'édition du Petit Salois et les rencontres également entre amis, l'association des parents d'élèves et le comité des fêtes également. CP ici. Ici vous avez la mairie. Non, l'ancienne mairie. Bon.